Hey yo l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo à propos d'un colis que j'ai reçu de chez Hans HQ. Je vous propose ça tout de suite en vidéo. Comme vous le voyez en image, le colis est très bien emballé, il n'y a pas de coup à déplorer, quoi que ce soit, c'est parfait. Bon après l'ouverture, comme vous le voyez, j'ai taillé un peu dans la feuille, bon c'est un petit détail, c'est pas trop grave. Ensuite on en vient directement à l'intérieur du colis, comme vous le voyez il est rempli par de nombreux papiers journaux, du papier à bulles. Et voici donc le premier tube que je sors. Ça c'est l'objet d'une prochaine vidéo, c'est un achat que j'ai fait sur leur site en plus. J'ai juste profité donc du transport express qu'ils m'ont proposé uniquement pour le transport de ce qu'ils m'autorisaient à vous montrer, enfin du moins de ce qu'ils m'offraient pour vous montrer. Ce qui est vraiment vraiment sympa, mais on en parlera plus tard de ça. Ici, comme vous voyez, donc voici la boîte principale, c'est ce qui comporte en fait prochainement certainement leur starter kit comprenant ce que vous allez voir tout de suite, donc un nid en bois et autres. Donc vous voyez le petit colis est bien protégé. Je trouve que on aurait pu faire un petit effort et attacher ou du moins séparer à l'intérieur les éléments pour que tout ceci ne bouge pas à l'envoi tout simplement. On sait jamais que ça aurait pu taper dans le verre des fourmis, mais vu que la boîte était plutôt bien fermée, je ne sais pas, peut-être que ça suffisait comme ça. En attendant, c'est un petit détail. Comme vous voyez, mes Componentus Japonicus sont arrivés en pleine santé. Malheureusement, durant le transport, on remarque que certaines d'entre elles ont fini manger par leurs collègues. Certainement le stress. Ici, vous découvrez avec moi le petit nid en bois qui fait 7 sur 7. Nous passons ensuite sur une aire de chasse qui est tout simplement à monter. Très simple d'usage. Vous avez également, du coup, vous l'avez aperçu rapidement, une seringue qui ne comporte pas d'aiguilles piquantes, vous voyez ce que je veux dire, c'est une finition tout simplement coupée, donc c'est un arrondi, aucun risque avec, c'est très bien pour les plus jeunes en soi. Voilà, donc ça, on passe directement sur le petit nid en bois, je vais vous faire un peu un visuel un peu plus détaillé. Comme vous le voyez, il est vraiment vraiment sympathique. Vous aurez toutes les informations si vous souhaitez connaître le bois directement sur leur site, dans un lien que je vous mettrai sous la vidéo. Donc vous voyez, c'est vraiment tout petit, très bien pour les fondations. Je le trouve vraiment génial, deux possibilités d'entrée, c'est parfait. Donc voilà, ici je vous propose tout simplement de voir par rapport à un bic, la grandeur de celui-ci. Effectivement c'est très petit, 7 sur 7, vous vous doutez, c'est pas énorme. Mais pour une fondation, comme je le rappelle, c'est très bien pour les fondations qui ne nécessitent pas d'humidification particulière ou autre. Je trouve ça génial. Dans tous les cas, leur site vous détaille exactement quelles espèces pourraient y aller, et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez tout simplement les contacter via un chat directement sur le site. Voilà, ici maintenant j'ai donc procédé au montage de tout ce que j'ai reçu, donc le nid principal, vous le voyez. J'ai ensuite rajouté un tube de raccord que je possédais, un peu plus long tout simplement. Ici vous avez un nid en acrylique plutôt solide, sincèrement c'est vraiment pas mal, ne prêtez pas attention, il est encore sale. Je vous conseille d'ailleurs de le passer à l'eau, de bien le laver avant de l'utiliser, c'est un petit conseil pour enlever l'électricité statique principalement. Et ici vous voyez mon tube n'est pas ouvert tout simplement parce que je ne l'ai pas encore nettoyé, je vais faire ça bientôt. Enfin c'est fait maintenant pour tout vous dire, mais bon. Ici vous voyez mes Componentus Japonicus dans leur tube tout simplement de réception, un tube adapté qui est bien plus large qu'un petit tube de 15 quoi. Et vous voyez donc la marque du site. Site sur lequel on se retrouve directement. Comme vous le voyez, le site est en anglais, vous avez la possibilité de le traduire en français assez facilement. Vous trouverez sur ce site diverses informations sur les fourmis ou tout ce que ce site vous propose en soi, que ce soit leur nid, leur nutrition et accessoires et autres. Vous avez également diverses informations plus précises dans le bas directement de la première page. Vous voyez également qu'ils possèdent un biologiste et autres. Bref, je vous laisse lire tout ça directement dessus. Si certaines choses ne vous semblent pas assez claires et autres, n'hésitez pas à les contacter directement en bas à droite de l'écran. Vous voyez, il fait écrit « Let's talk Hans », donc vous pouvez parler directement avec une personne. Le contact que moi j'ai parle français, enfin du moins, il essaye de nous répondre correctement en français. Il dit que c'est un français approximatif, mais franchement il s'en sort vraiment vraiment bien, et juste pour l'effort qu'il fait, c'est vraiment génial. Bref, comme vous le voyez, on a énormément d'espèces à disposition. Bien sûr, il y a des espèces qui ne sont pas disponibles toute l'année selon les stocks. Bien entendu, dans ces cas-là, vous pouvez toujours les contacter pour voir quand est-ce que ça pourrait arriver éventuellement. Les espèces que j'ai reçues de là-bas actuellement, de mon point de vue, donc vraiment personnel, sans blabla, sans chichi, sont en bonne santé. Aucun problème, pas de pattes en moins, pas d'antenne en moins, tout se passe bien, tout le monde est en pleine santé.
Maintenant, c'est un retour sur quelques mois. J'ai pas une expérience de 50 ans, donc je peux pas vous dire si sur la durée ça se passe vraiment bien. Maintenant, pour l'instant, tout est propre, tout est carré, tout est vraiment agréable. Là, je vous montre un peu diverses images pour voir tout simplement les possibilités du site. La traduction ici, forcément, fait que c'est des polyrachis plongées et non dives. Mais bon, en gros, vous voyez, vous avez diverses possibilités, diverses quantités de queen quand c'est possible d'avoir des polygynes ou non. Enfin voilà, ça je vous laisse voir. Je tiens à remercier particulièrement du coup la personne que j'ai en contact via mail, propriétaire du site, pour sa confiance tout simplement, la confiance qu'il m'a accordée. Pour vous qui regardez cette vidéo, je vous ai obtenu un code que vous verrez directement ici dans mon panier. Il suffira de taper ce même code, il vous offrira 10% sur l'intégralité de votre achat, votre commande. 10%, je sais que c'est pas énorme, mais sincèrement 10% sur une très grosse commande ou même sur une petite peut vous permettre déjà de payer les frais d'envoi ou tout simplement de réduire le coût général, et je trouve ça vraiment sympa. C'était sans obligation et je trouve ça vraiment génial. Comme vous en doutez, mon colis est donc passé par une douane due au Brexit via l'Angleterre. Donc la douane est en Belgique tout simplement à Luymen. Je n'ai pas de frais supplémentaires vis-à-vis de ce colis. Absolument aucun, et c'est ma troisième commande sur ce site. Comme ça vous savez, pas d'inquiétude à ce niveau. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que ce sera le cas pour tout le monde. Voilà, ça c'est mon retour privé. La personne m'a également dit qu'il n'y avait rien à craindre. Bon, voilà quoi. Sur ce, merci l'équipe. J'espère que vous trouverez votre bonheur, que ce soit sur ce site ou un autre. Mais j'espère que celui-ci vous attirera. Et je vous souhaite tout simplement une bonne continuation. Je vous laisse découvrir ma nouvelle amie. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe !